الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Chers frères, chers soeurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé iman, la foi. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé la santé, de nous avoir permis d'entrer dans ce mois béni de Ramadan avec toutes ses barakas et toutes ses bénédictions. Alhamdulillah, on est déjà à la moitié de ce mois extraordinaire. Oui, cela est passé très vite, voire même trop vite. Peut-être qu'on a perdu cette baraka, cette bénédiction dans notre temps. Donc chacun et chacune d'entre nous, faisons un petit bilan. Est-ce qu'on s'est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si oui, comment on l'a fait? Sinon, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? On a passé le plus de temps à faire quoi durant cette quinzaine? La lecture du Coran ou la lecture d'autre chose? Qu'est-ce que nos membres, ils ont fait durant ces 15 jours? Nos mains, nos yeux, notre langue, nos oreilles. N'oublions pas, mes chers frères et sœurs, que ces membres-là seront un témoin le jour des comptes, mais soit pour nous, soit contre nous. Alors augmentons ce qu'il faut augmenter et diminuons ce qu'il faut diminuer. Justement, pour nous booster dans notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, étudions aujourd'hui deux noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Karim et Al-Akram. Donc on commencera par les définitions. Ensuite on verra son sens comme nom d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les versets du Coran. Ensuite on verra les fois qu'il faut faire sur notre iman, notre foi. Et on terminera par des du'as, inshallah. Al-Karim et Al-Akram. Karim et Akram. Donc la signification, comme pour la plupart des mots en arabe, on essaie de retrouver la racine. Alors, la plupart des mots en arabe, la racine c'est trois lettres. Donc parfois il y a des lettres faibles comme le alif, le ya ou le waw. En l'occurrence ici, karim, donc il y a le ya qu'on enlève et qu'on a la racine karama. Karama, c'est le fait d'être noble, le fait d'être généreux, bienfaisant, le fait d'être estimé et productif. Nombreux sont ceux qui assimilent le nom de Karim au seul nom, au seul sens relatif à la générosité. Pourtant, cette qualité a un sens beaucoup plus vaste. Karam aussi est un terme concis pour désigner toute qualité louable aux multiples bienfaits. C'est pourquoi la bonne moralité, en arabe, on dit « makarimul akhlaq », noble vertu morale. Alors, la grandeur de l'âme, la patience, l'indulgence, la générosité, le courage sont toutes de la noblesse. Donc, on a karim dans le premier sens, dans le sens généreux, de celui qui donne. Donc aujourd'hui, on connaît donc celui qui est généreux, celui qui nous aide financièrement. Mais lorsqu'il n'aura plus, par exemple, s'il n'a plus d'argent, est-ce qu'il sera toujours généreux? Karama aussi, c'est être généreux aussi dans son temps, aider les autres à n'importe quel moment. Généreux dans le sens qu'il y a beaucoup de bienfaits. Exemple, al-Jannah, le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de vos comptes et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, c'est-à-dire al-Jannah. Deuxième sens de karim, qui a une grande valeur, le fait d'être noble. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans Rasoutou An-Naml? قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي
ألقي إلي كتاب كريم. La reine de Saba dit, ô notable, une noble lettre m'a été lancée. Ici, Bilqis dit que la lettre de Sulayman alayhi salam a une grande valeur. Et dans le commentaire, on dit qu'il s'agissait d'un écrit illustre et important. Et elle le qualifia de Karim car il était scellé, son tracé embelli, et qu'elle y trouva, dit-on, un langage élégant. Dans le même ordre d'idées, on dit d'une chamelle généreuse qu'elle est karima lorsqu'elle donne un lait abondant. Jibril alayhi salam. Innahu laqawl rasulin karim. C'est-à-dire le Coran est la parole d'un noble messager, rasulin karim. Et le Coran. Innahu laqur'anun karim. Et c'est certainement un Coran noble. Le Coran est dit noble car il a une grande valeur et a de multiples bienfaits. En parlant de l'être humain, Bani Adam et sa progéniture, Adam alayhi salam et sa progéniture, Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a posé une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam que man akramun nas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Ataqahum lillah » c'est-à-dire celui d'entre eux qui a plus de taqwa, la plus de piété, s'abstient de faire les péchés. Alors les sahaba qui étaient là, ils ont dit « Non, ce n'est pas sur cela que nous t'interrogeons. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué « Fa'akramun nas Yusuf nabiyullah ibn nabiyillah ibn nabiyillah ibn khalilillah » que parmi les gens qui sont les plus nobles, il s'agit de Yusuf alayhi salam, l'envoyé d'Allah, fils de l'envoyé d'Allah, fils de l'envoyé d'Allah, fils de l'ami proche d'Allah. Ils ont dit, ce n'est pas sur cela que nous t'interrogeons. C'est-à-dire Yusuf alayhi salam, pour l'ancien, il a dit que c'est le fils de Yaqub alayhi salam, qui est le fils de Ishaq alayhi salam, et qui est le fils de Ibrahim alayhi salam. Donc enfin, le prophète alayhi salam, donc il a dit que les meilleurs d'entre eux dans la Jahiliyyah sont les meilleurs d'entre eux dans l'islam lorsqu'ils sont instruits. C'est-à-dire que la Jahiliyyah, qui est la période qui a précédé l'islam, donc la noblesse était en fonction des bons comportements et des caractéristiques louables. Dans le Coran, on parle aussi de fils de Adam alayhi salam. Il est une noble, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé une noblesse spécifique. Et c'est la créature la plus chère pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Certes, nous avons honoré le fils de Adam, alayhi salam. Nous les avons transportés sur la terre et sur la mer. Leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture. Et nous avons nettement préféré à plusieurs de nos créatures. Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisis parmi ces créatures et nous a élevés au-dessus d'elles par un grand honneur. Il nous a créés avec une stature droite et non pas inclinés comme les animaux. C'est pour cela, lors de la salat, alors qu'à chaque changement d'attitude, nous disons Allahu Akbar. Autre sens de Karim, la bonté, la façon d'agir. Karim aussi est celui qui manifeste la bienfaisance et la bienveillance avant que l'individu ne la demande. Deuxième point, signification en tant que nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Karim, mentionné trois fois dans le Coran en tant que nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate Al-Mu'minun, ayat 116, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Que soit exalté Allah subhanahu wa ta'ala, le vrai souverain. Pas de divinité en dehors de lui. Le Seigneur du trône sublime. Karim ici retourne celui qui possède le trône. Dans la sourate An-Naml,
l'histoire de Suleyman alayhi salam, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous raconte l'histoire de Suleyman alayhi salam. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Alors rapidement l'histoire de Suleyman alayhi salam, qu'est-ce qui s'est passé? Suleyman alayhi salam, donc il avait dit à ses djinns, qui est capable de me ramener le trône de Bilqis? Alors, il y a un parmi les djinns qui avait la connaissance du livre. Il a dit, je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Alors, Suleyman alayhi salam, lorsqu'il a vu de suite le trône qui s'était installé auprès de lui, il a dit, هذا من فضل الله. Il n'a pas, il s'est pas vanté, il n'a pas dit que mais ça c'est par ma force, regardez, les djinns sont à ma disposition. Mais non, il a dit que ça c'est la grâce de mon Seigneur. Fadli Rabbi. Qu'est-ce qu'il fait? Il me teste pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant, ben c'est dans son propre intérêt. Et quiconque est ingrat, alors Allah subhanahu wa ta'ala se suffit à lui-même, il est généreux. Raniyun Karim. Enfin, dans la sourate Infitar, ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuha an-nas ma gharraka bi rabbika al-karim. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble? Ça c'était pour Al-Karim. Maintenant, Al-Akram, mentionné une seule fois dans le Coran. Très facile. C'est quelle sourate? Vous avez trouvé? C'est très facile. C'est parmi les premiers versets révélés dans la grotte de Hira. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Jibril alayhi wa sallam avaient serré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ma ana biqari. Et là, au bout de la troisième fois, il a dit Ma'adha aqra. Qu'est-ce que je lis? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'apprend tout au début de la création de la sourate Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble. Rabbuka al-akram. Donc al-karim et al-akram donc veut dire générosité et grande valeur. Pour mieux comprendre Akram, on entend Allahu Akbar. Allah est le plus grand. On ne dit pas Allah est grand. Kabir, c'est grand. Akbar, ismu tafdil, le superlatif. Allah est le plus grand. A'zam, ahkam, ahsani taqwim dans la sourate de Tin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, Akram, est plus grand que Karim. Les savants nous disent que Al-Akram veut dire aussi Al-Aziz, car c'est sa force, sa puissance, son honneur qui fait qu'il est généreux. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Karim est celui qui a toutes les qualités louables. Ce nom regroupe donc les autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le pourvoyeur, l'indulgent, le donateur gracieux, le très aimant. Il a tous ces attributs parce qu'il est le très noble. L'imam Al-Qutubi, rahimahullah, il dit en ce sens que Al-Karim veut dire le généreux, le pardonneur et l'honorable. Le généreux car il donne tous du bien. Pardonneur parce qu'il efface nos péchés. Al-Af. Et Al-Aziz parce qu'il continue à donner ses faveurs aux serviteurs. Si on regarde bien, combien de choses Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et combien, c'est-à-dire toutes ces choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données,
Est-ce que je les ai utilisés dans le bien ou bien pour désobéir, pour le désobéir? Mon courage, mon intelligence, mon temps, mon argent, toutes ces choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. Et Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il trouve son serviteur qui le désobéit, alors par sa générosité, il continue à lui accorder ses faveurs. Il est al-halim, il est l'indulgent. Les savants disent aussi que al-karim, c'est celui qui donne. Ensuite, il vend son serviteur. Il fait l'éloge des serviteurs, des qualités qu'il possède. Dans la sourate Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit en ce sens que وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que il nous a donné la foi, iman. Il nous a fait aimer la foi. Il a embelli dans nos cœurs. Il nous a fait détester la mécréance, la perversité, la désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la foi. Et ensuite, pas de reproche. Il nous complimente parce qu'on a aimé la foi. Ceux-là sont bien, sont les bien guidés. Fadlan min Rabb. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne et il nous complimente parce qu'on a cette qualité-là. Imagine une personne qui est malade, qui est resté 18 ans sur le lit. Nous, une journée même, on ne peut pas passer à l'hôpital. Cet homme, cette personne, s'appelle Ayyub alayhi salam. Alors, Ayyub alayhi salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Ni'ama al-abd, innahu awwab. Dans la sourate Sa'd, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna wajadnahu sabira, ni'ma al-'abd, innahu awwab. C'est-à-dire que, oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur, sans cesse, il se repentait. Allah subhanahu wa ta'ala avait accordé à Ayyub alayhi salam beaucoup de bienfaits, jusqu'à l'âge de 80 ans. Puis, Allah subhanahu a tout repris, même sa santé, sauf sa langue. Pour mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. Sa femme lui dit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il répond, Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé 80 années de vie de bonheur. Je suis prêt à patienter entre 80 années dans cette épreuve-là. Mais lorsqu'il s'aperçoit que sa femme a vendu ses cheveux pour acheter de la nourriture, alors là, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné en premier la patience pour pouvoir rester 18 ans allongé avec cette maladie-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala même qui le vante pour sa patience. Mais c'est Allah même qui a donné cette patience-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est généreux parce qu'il nous donne certaines qualités et il nous vante parce qu'on a cette qualité-là en nous. Troisième point, l'effet sur notre iman. Lorsqu'on étudie Al-Karim, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le généreux parce qu'il donne à toutes ses créatures. Sur cette terre, combien de personnes désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien très éloignées d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien dans le shirk même. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à tout le monde. Pour n'importe quelle créature sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà réservé son bien sur terre, musulman ou pas, celui qui désobéit ou celui qui obéit, n'importe qui. Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-karim parce qu'il donne de suite et accepte la demande pour ce qu'il demande. Dans surat al-Baqarah, ayat 186, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. Allah subhanahu wa ta'ala, il attend qu'on arrive et qu'on lui demande. L'être humain, quand on demande à un être humain, il dit non, ben, va réfléchir, demain repasse, on va voir s'il nous accorde, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà préparé avant qu'on arrive. Pas besoin d'enquête pour savoir si on mérite ou pas. Même avant qu'on arrive dans ce monde, tout est prêt. Subhanallah. Les parents ont déjà tout préparé, la chambre, couleur, le nom, tout. Avant qu'on arrive, tout est prêt. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà mis dans le cœur des parents. Donc, à notre niveau, comment on applique ça? Si on sait que quelqu'un est dans le besoin, alors de l'aider avant qu'il ne demande. Al-Karim, il donne et il favorise qui il veut. Il choisit qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il favorise ses serviteurs. Lorsque le serviteur, donc, il fait des actions pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il mérite, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde tous les bienfaits qu'il demande. Al-Karim, il donne de part de sa générosité. Alors, Salma, hadith, prophète ensemble, dit en ce sens que « Inna rabbakum hayyun karimun » يستحي من عباده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. Le prophète sallam dit en ce sens que certes Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux, il est généreux. Il éprouve de la pudeur comme une honte que son serviteur lève les mains vers lui, puis il lui accorde rien du tout. Il n'y met pas de bien. Nous, êtres humains, par exemple, si notre enfant nous demande quelque chose, on va lui accorder, mais on voit qu'il a fait une mauvaise action. Alors on va lui dire non. Mais au fond de nous, on attend qu'il fasse une bonne action pour lui donner, parce qu'il mérite. Mais parfois, le temps passe et on oublie. Alors quel ressenti on a en nous dire, ah ben, ça il fallait donner à lui, il mérite, qu'est-ce que j'ai fait? On ressent ça. Maintenant, comment est Al-Karim envers ses créatures? Quand on lève les mains, on lui demande. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime plus que ce papa aime son enfant. Allah subhanahu wa ta'ala, il prouve cette pudeur, cette honte, que son serviteur lève les mains et demande, et il le laisse sans lui donner suite de ce qu'il veut. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas l'obligation de nous donner. Mais il nous aime. Donc il faut multiplier nos doigts car Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte nos invocations. Oui, nos invocations sont acceptées de trois façons. Soit Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde immédiatement. C'est un bien pour nous. Ou bien il nous l'accorde plus tard. Un mois, deux mois, quelques années, lorsque on l'a mérité. Deuxième, soit cela nous éloigne d'une épreuve ou d'une difficulté qui devait nous arriver. On fait doua. Et troisième, cette invocation, ce doua-là, est transformé en bonne action en notre faveur dans l'au-delà. Et c'est ce que les sahaba préféraient. Autre chose, Allah subhanahu wa ta'ala est en colère si on ne le demande pas. Subhanallah. L'être humain, c'est le contraire. Ça, on l'avait déjà développé dans une autre intervention lors de la nuit du pardon. Allah subhanahu wa ta'ala, il est karim. Il est akram. Allah al-karim, il remplace le péché en bonne action. Un exemple, si une personne, pendant 50 ans, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à un moment donné de sa vie, donc, il décide
vraiment de se repentir, hein, sincèrement, d'une sincérité profonde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime cette action-là. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala accepte son pardon. Et lui, il change tout. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il fait, il change toutes ses mauvaises actions en bonnes actions. Cette personne a regretté ses péchés et Allah subhanahu wa ta'ala, il transforme ses mauvaises actions en bonnes actions. De la sourate Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Celui qui se repent, il croit et accomplit une bonne œuvre, cela Allah subhanahu wa ta'ala changera les mauvaises actions en bonnes actions. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, car maintenant il va passer le reste de sa vie dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est cette générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui transforme le péché en bonne action? Lorsque une personne il accepte l'islam, tous ses péchés sont effacés. Et les bonnes actions qu'il avait avant lui est compté. C'est ça Al-Karim. Chers frères, chères sœurs, la condition du pardon, justement pour pouvoir profiter de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, en premier, c'est être sincère. Deuxièmement, cesser et arrêter immédiatement le péché. Troisièmement, regretter ce péché qu'on a fait là. Quatrièmement, l'intention de ne plus refaire. Et cinquièmement, réparer le péché. Si c'est un droit pour l'être humain, c'est-à-dire si on a fait la médisance, on a volé, alors de réparer ce péché-là, de faire dua pour cette personne. Et si cela concerne les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, la salat, la zakat, le jeûne, alors de remplacer. La façon de faire dua rapidement, pour une acceptation rapide, de lever les mains, de se tourner vers la qibla, de faire le wudu, de lire le duroud, chari le duroud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ensuite, en introduction, de faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on montre notre faiblesse et ensuite on demande nos besoins. Ne pas invoquer en faveur d'un péché. On demande qu'Allah subhanahu, on demande que à Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala répondra à sa demande. Et avoir le cœur présent lorsqu'on demande. Tu dis pas, oh Allah, j'ai m'a besoin de ça, allez, salam alaikum, ça va. Non. On demande sincèrement. On ne peut pas répéter notre demande sans comprendre vraiment le sens, sans mesurer leur portée. Et ne pas se précipiter, c'est-à-dire ne pas être pressé dans la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne jamais dire, j'ai demandé et j'ai rien eu. Tout le temps, il demande, il ne donne pas moi. Non. Il faut insister, car Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui insistent dans les invocations. Et les moments d'acceptation de dua entre adhan et iqama, après chaque salat, donc il ne faut pas être pressé après chaque salat de sortir rapidement lorsqu'on est dans la masjid, mais lorsqu'on est assis sur le musalla à la maison, dès que la salat est terminée, on se lève et on s'en va. Non, on fait dua. Dans la dernière partie de la nuit, lorsque la pluie tombe, lorsqu'on entend le cri du coq, l'heure de Jum'a, avant la salat de Maghrib, le dua d'un parent pour son enfant et d'un enfant pour ses parents. On peut demander pour son frère, parce que ce qu'on demande pour notre frère, on aura la même chose. Et s'éloigner des causes de la non-acceptation, c'est-à-dire les causes que la nourriture haram, l'argent haram. Donc si on a la nourriture haram, ben nos du'as ne sont pas acceptés. Donc on fait du'as. Oh Allah, j'ai délaissé la salat, la zakat, le jeûne. J'étais dans la désobéissance. Je disais des mauvaises paroles. J'étais dans la drogue, dans le zina, dans l'alcool, dans l'injustice. Mais à partir de maintenant, c'est fini. Je retourne sincèrement vers toi. Je te demande ton aide quand tu es Al-Karim, tu es Al-Akram. On doit être heureux de pouvoir se retourner vers notre Créateur, vers le très généreux Al-Akram,
À tout moment, on peut se retourner vers lui. Avoir un créateur avec qui on peut se confier. Lui parler sans qu'il ne soit pressé. Avoir cette écoute, cette acceptation de demande. On demande aussi avec nos mots. Dans un long hadith, dans le Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens que « Inni la a'lamu akhiri ahli al-jannah dukhula al-jannah wa akhiri ahli al-nar khurujan minha rajulun yu'ta bihi yawm al-qiyamah » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que « Je connaissais le dernier des gens de l'enfer qui en sortira et le dernier des gens du paradis qui y rentrera. » Alors c'est un homme qui sera amené le jour du jugement et on va, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala va dire que de ne lui présenter que ses petits péchés et d'enlever les grands péchés. Alors on va dire à cet homme-là, « Amilta yawma kaza wa kaza, wa alimta yawma kaza wa kaza, tu as fait ça tel jour, tu as fait telle chose, tel jour, tel jour, tel jour. » Mais il dira oui, il ne pourra pas nier. Parce qu'il craint maintenant, parce qu'il sait que ça, c'est les petits péchés. Non, les grands péchés viennent derrière là. Alors, il lui sera dit que tu as à la place de chaque péché une bonne action. Subhanallah. Maintenant, cette personne, il dit, imaginez, il converse avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il va dire que « Qad amiltu ashya'an la araha hahuna » que j'ai commis d'autres péchés que ne je vois pas ici. Et là, le narrateur dit que, Abu Dharr radiallahu anhu, il dit que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam rire au point de laisser apparaître ses molaires. C'est-à-dire que, pourquoi le prophète il a ri? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est content de la grande générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car avant de venir, avant d'amener cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala lui a déjà enlevé ses grands péchés. Et ça, c'est la dernière personne qui entrera dans le paradis. C'était juste pour le faire peur. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Karim. Autre exemple de générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Karim écrit les actions des petits-enfants et non les péchés. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas, il rapporte qu'une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, passer devant le prophète, il y avait un nourrisson, hein, moins de 2 ans. Et là, cette femme-là, il montre son nourrisson de 2 ans et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a la récompense de Hajj? Si je veux faire Hajj, je l'amène avec moi, est-ce qu'il a la récompense? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, oui, et toi aussi tu auras la récompense. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala compte les actions, les bonnes actions des enfants et non pas des péchés. Les enfants n'ont pas à lire. C'est pour cela donc qu'il faut enseigner à nos enfants les recommandations du mois de Ramadan, la salah, tarawih, le jeûne, lecture du Coran, le dhikr. Donc, d'aider les autres, de dire salam, etc. Même s'ils font peu, mais leur compte de bonnes actions commence à être crédité. Cet enfant reçoit la récompense du Hajj. L'entraînement est récompensé. C'est cela, Al-Karim. Celui qui veut que Allah subhanahu wa ta'ala est plus généreux avec lui, il se protège des péchés, comme pendant ce mois de Ramadan. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, « Inna akramakum indallahi atqakum » Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus pieux. » Allah subhanahu wa ta'ala est généreux dans la distribution des bonnes actions. On avait déjà dit la dernière fois, en temps normal, lorsqu'on fait une intention sincère de faire une bonne action. Exemple, on dit que bon, on va visiter un frère qui est malade. Ou bien on va dire que donc après la salat d'Ohor, mais je veux lire 2 pages du Coran. Ça, c'est sûr. Ça, je vais faire ça. Alors, le fait qu'on a fait l'intention, c'est déjà compté comme une bonne action. Juste l'intention sincère. Vous allez me dire, mais si on fait l'action, mais si on fait l'action, c'est comme si on a fait 10 fois l'action. Maintenant, on fait une mauvaise action. Alors, lorsqu'on fait une mauvaise action, l'ange qui est à droite, là, c'est lui qui écrit les bonnes actions et c'est lui qui est à gauche qui écrit les mauvaises actions. L'ange qui est à droite, il dit avec l'ange qui est à gauche,
Écris pas tout de suite. Peut-être dans un laps de temps, dans quelques heures, elle va regretter cette action-là. Donc de ne pas faire, de ne pas écrire cette action, cette mauvaise action-là. Mais si jamais on n'a pas demandé pardon, alors cela va être compté comme une mauvaise action. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il est karim. On a déjà dit durant ce mois de Ramadan, multiplié jusqu'à 700 fois, dites subhanallah, une fois, vous avez 700 récompenses. Les faraz, 70 faraz, un nafil comme un faraz. La nuit du destin qui va arriver. Celui qui passe cette nuit à ibadat aura toute une vie d'adoration. On dit oui, mais toute la nuit à ibadat est difficile ça. Solution. Le minimum, on fait la salatul isha. Donc si on est à deux minimum dans la maison, on peut faire un jamaat. Si on est tout seul, ben, alhamdulillah aussi. On fait isha, tarawih, witr, avec jamaat. Ensuite, on fait dodo. Ensuite, on se relève quelques minutes avant la fin du sihri. On fait la salatul tahajjud, on prend le sihri. On fait fajr avec jamaat. Récompense comme si on a passé toute la nuit à ibadat. 1000 mois de récompense. Plus, maintenant, si on a fait les choses du Coran, si on a fait la salat, ben, ça rajoute aussi dans notre compte. Il y a une action. Tellement Allah subhanahu wa ta'ala aime cette action-là que c'est lui seul qui récompense. Vous le savez, c'est le jeûne. On ne peut pas estimer ça. Wa ana ajzibi, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est moi-même en personne qui va récompenser. Pendant toute l'année, comment Allah subhanahu wa ta'ala les karim envers nous, les généreux, il nous donne des occasions pour retourner vers lui. La nuit du pardon, le hajj, umrah, le jeûne de Arafat qui efface 2 ans de péché, le jeûne de Ashura, quotidiennement, salatul ishraq, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime la générosité, il aime ceux qui sont généreux, ceux qui font la sadaqa, ceux qui font un sourire. C'est une sadaqa, celui qui aide une personne physiquement, moralement, celui qui a un bon comportement, celui qui ne gaspille pas. Inna Allah karim yuhibbu al-karam, yuhibbu ma'ali al-akhlaq, wa yakrahu safsafaha. C'est-à-dire que le prophète en a mis en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala est généreux, il aime la générosité, il aime les bons comportements, l'attitude noble, il déteste ceux qui sont vils, vils de comportement. La générosité est l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu, car il fait des dons sans rien prendre. Il nourrit sans avoir besoin d'être nourri. Il est le plus généreux, il est le très généreux. Il aime le plus ceux qui sont dotés de ses qualités parmi ses serviteurs, étant donné qu'il est très généreux, il aime les généreux. Un doua qu'on dit, peut-être on l'a déjà dit, peut-être Inch'Allah, on va le dire. Dites Amin. C'est lorsqu'on va faire le sa'i. Entre Safa et Marwa, lorsqu'on fait la Umrah ou le Hajj. Ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, il dit que Innahu kana yad'u fi sa'i. Donc, on lit quand on fait le sa'i. Allahumma ghfir warham wa'afu amma ta'lam. Ce qui signifie que Seigneur, pardonne-nous, accorde ta miséricorde et excuse ce que tu sais. Tu es certes celui qui n'est pas vaincu, celui qui accorde à profusion. Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux avec nous, soit en nous donnant, soit en nous préservant. Mais souvent on ne le comprend pas. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il se peut que vous n'aimiez pas une chose alors que c'est un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est une mauvaise chose pour vous. Et tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Vous ne savez pas. Et parfois on dit, dans l'embouteillage, il arrive en retard, etc. Après, par deux mois, on voit qu'il y a eu un accident, ou bien autre chose, on dit, ah, ben si, peut-être ça aurait été moi. On ne sait pas. Après, il y a ce doua-là, doua ul-karb, en cas d'affliction.
lorsqu'on est triste, lorsqu'on est angoissé. Le prophète nous a appris ce dua-là. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsh al-azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim. Je répète. La ilaha illallah al-azim al-halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Il n'y a pas de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le très grand et le plein de mansuétude. Il n'y a pas de divinité qu'Allah, le Seigneur du trône immense. Il n'y a pas de divinité qu'Allah, le Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du trône, le généreux. Donc ce dua, donc il faut le lire lorsqu'on est triste, très triste. Et un autre dua, lorsqu'on entre dans la masjid, Inch'Allah, on pourra bientôt le faire. Dites Amin. A'udhu billahi al-azim, wa biwajhihi al-karim, wa sultanihi al-qadim, min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaab rahmat. Je cherche protection auprès d'Allah le très grand, auprès de son visage majestueux et son royaume éternel contre Satan le maudit. Ô Seigneur, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Pour terminer donc, le serviteur usera de noblesse en ne tenant pas rigueur des péchés des pervers et en étendant son don généreux à tous les êtres. Aidez tout le monde. Soyons nobles de caractère. Faisons honneur aux gens et préservons leur dignité pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve notre dignité. À l'occasion qu'il y a de nombreuses associations sur toute l'île qui œuvrent durant ce mois de Ramadan et même en dehors du mois de Ramadan pour aider les autres dans différents domaines, alors de les aider, d'être généreux envers les créatures pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit généreux envers nous. Profitons de ce mois de Ramadan extraordinaire pour emmagasiner des hasanats, pour prendre de bonnes habitudes, de les garder après le mois de Ramadan. Apprendre l'importance de la salat à nos enfants, le respect de l'endroit où on fait la salat, de faire bien les ablutions, la tahara, les vêtements propres. La dernière décade arrive, dernière ligne droite. Où la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus grande avec la délivrance du feu de l'enfer. Avec la nuit du destin, comme on a dit, une nuit de toute une vie d'ibadat, 1000 mois de récompense. Alors il y a une doua à lire durant cette nuit-là. D'après Aïcha, radiallahu anha, j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, vois-tu si je connais dans quelle nuit est la nuit du destin, que dois-je dire durant cette nuit? Le prophète a répondu « Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. » Ô Allah, tu es si pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Donc, inshallah, on va détailler le nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Afu, qui est mentionné dans ce dua-là dans une prochaine intervention, inshallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte ces quelques paroles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne pour nos erreurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous fasse mourir avec iman. Il accepte nos bonnes actions, nous pardonne et nous réunit au paradis. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah Rabbil Alamin. Jazakumullah pour votre écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.